Aujourd'hui, je reviens avec un petit Get Ready With Me de la Saint-Valentin qui clôturera du coup ma série sur la Saint-Valentin. Donc je vais réaliser un make-up, donc celui que je porte là en ce moment même. Je vais vous montrer comment je vais me coiffer et puis je vais montrer aussi ma tenue. Je vais commencer en utilisant la palette Ultimate Bright de chez NYX. Et avec un pinceau estompeur, je vais venir appliquer la couleur violet clair. Et je vais venir l'appliquer en creux de paupière en remontant un petit peu vers le sourcil, mais sans toucher le sourcil. Je vais venir reprendre la palette et avec le même pinceau, je vais venir prendre la couleur violet foncé que je vais venir aussi appliquer en creux de paupière en creusant un peu plus mais en remontant un petit peu moins et en veillant à bien estomper les deux couleurs ensemble. Maintenant, je vais venir prendre la palette Born to Run de chez Urban Decay et avec un gros pinceau rond et plat, je vais venir prendre le fard Drift et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile en essayant de fondre un petit peu avec les couleurs que j'ai déjà mises au-dessus. Comme je trouve que les paillettes du fard se déposent mal, je viens en prélever un petit peu avec mon doigt et je tapote par au-dessus de ce que j'ai déjà mis sur ma paupière. Ensuite, je viens prendre mon pinceau estompeur de tout à l'heure que je n'ai pas nettoyé, j'ai pas mis de matière dessus, et je viens fondre la couleur Drift avec les couleurs que j'avais mis en creux de paupière. Ensuite, avec un petit pinceau, je vais venir prélever la couleur Jet et je vais venir l'appliquer dans le coin externe de mes paupières en essayant de former un petit V de chaque côté. Je vais prendre mon pinceau estompeur de tout à l'heure et je vais venir fondre les deux couleurs, donc Drift et Jet ensemble, et je vais venir estomper aussi un petit peu avec les couleurs violettes que j'avais mis en premier. Je prends un petit pinceau pointu et je vais venir prendre le premier violet que j'avais utilisé et je vais venir le placer en coin interne de l'œil. Avec le même pinceau, je vais venir prélever la teinte Stranded de la palette Born to Run et je vais venir l'appliquer au-dessus de la couleur violette que j'avais mis avant. Maintenant, je vais venir faire mon liner et je vais utiliser le Epic Ink Liner de chez NYX, celui que je prends d'habitude. Je vais utiliser un petit pinceau un peu rond et je vais venir prélever la couleur violette la plus foncée que j'avais utilisée au début et je vais venir l'appliquer au ras de cils inférieur des deux côtés. Je vais reprendre le pinceau estompeur de tout à l'heure et je vais venir prélever un petit peu du violet clair du début et je vais venir estomper le violet foncé que j'avais mis au ras de cils inférieur. Je vais venir maintenant appliquer du mascara et j'utilise toujours le même, c'est le Scandalize Extreme de chez Rimmel. Comme rouge à lèvres, j'ai choisi d'utiliser un NYX lingerie qui est un rouge à lèvres mat et j'ai pris la teinte embellissement.
que ça donne une fois le look fini. Pour la coiffure, je vais faire très simple et je vais venir simplement lisser mes cheveux. Donc là, pour l'instant, je vais venir séparer en deux portions tous mes cheveux. Noir de chez New Look avec un détail un petit peu transparent vers le bas et vers la taille. Avec ça, j'ai pris une petite pochette de chez Printemps et des bottines de chez Pimkie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et aussi à me laisser un petit commentaire.